Stéphanie, juste excuse, pour vous laisser le mot de la fin, on va parler maintenant, parce qu'on a eu des questions des nouveaux partenaires, des gens qui sont partenaires depuis cette année, qui se disent déjà, tiens, oh, bah, je ne savais pas que c'était une équipe féminine, qu'ils le découvrent. Tiens, c'est du hand. C'est du hand, je ne connais pas les règles. Alors, quelques informations. D'abord, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls à ne pas connaître les règles. Hein. On vient d'abord ici pour l'ambiance. On vous rappelle que c'est chauffé. Oui, hein, c'est couvert. Vous pouvez venir avec votre mari ou avec votre femme. Les installations sont somptueuses. Hein, donc si vous ne savez pas la largeur, par exemple, des lignes de jeu, hein, vous pourrez... Hein, d'ailleurs, parce que toutes les joueuses le savent, la largeur d'une ligne de but entre les montants, c'est combien de centimètres? C'est le règlement officiel. Hein. Alinéa 1.3. 8 cm, tout à fait, c'est 8 cm, exactement, exactement. Genre, combien de temps on peut posséder la balle une fois qu'on l'a? Ça fait 3 secondes, 3 secondes, pas trop de fautes, normalement. En même temps, par rapport à ce qui se passe, ce qu'il faut savoir, c'est que tout point de règlement qui vous pose problème, que vous soyez partenaire, que vous soyez au niveau de la direction, que vous soyez joueur, que vous soyez entraîneur, vous en parlez à Gérard. Oui. Lui qui téléphone directement à la fédération et qui modifie le règlement officiel du handball. Il faut savoir que tout ça, ça va être, c'est au niveau mondial. Que maintenant c'est... Donc on est passé à 15 minutes de mi-temps cette année. L'objectif, c'est de passer à 25-30 dans les années. Ça, on lâche pas l'objectif là-dessus. Non. Okay. Alors comment ça s'est passé quand même, ce coup de fil à la fédération? Bon, ben, Gérard, il a téléphoné. Il a fait « Allô, la fédération ». Oui, alors vous comprenez, c'est parce que nous, on a énormément de public, pas comme chez les autres, et que l'aréna c'est très grand, c'est magnifique, et donc on aurait besoin d'un peu de temps pour que les gens aillent aux toilettes, se rafraîchissent un peu, parce qu'on a beaucoup de public, nous, pas comme chez les autres. Hein, et en plus, on fait des animations, on fait des spectacles, on fait tout ça, et du coup, pour Elsa qui est en charge de l'événementiel, bon, bah, ça serait bien qu'elle ait un peu de temps. Bon, entre nous, on sait tous que c'est pour se gaver au buffet, à la mi-temps. Mais au moins, on a le temps de finir le buffet. Bon, comment ça se passe un petit peu un parcours classique de vos partenaires? Donc déjà, câlin de Gérard, c'est obligatoire. Et explication du schéma par Denis. Hein. Denis Le Saint vous expliquera le schéma. Tout fonctionne par schéma. Voilà. Et Nicole envoie les factures.